Bonjour YouTube, aujourd'hui on regarde le décollage du Starliner, s'il part bien dans 3 minutes avec deux personnes à bord, Sonita Williams et Butch Wilmore, deux mastodontes de la NASA, des astronautes qui ont volé déjà sur navette spatiale, sur Soyuz et qui vont tester aujourd'hui leur troisième vaisseau habité, le Starliner de Boeing. Ils vont partir pour une mission de 2 semaines à destination de la Station Spatiale Internationale et revenir sur Terre. C'est un vol de qualification pour que le vaisseau soit ensuite... commercialisé et que des vols soient vendus à la NASA avec 4 personnes à bord à chaque fois. Ça fait longtemps qu'on attend ce décollage. Il devrait décoller dans maintenant 2 minutes et 45 secondes. Installez-vous. Les images risquent d'être splendides. La météo a l'air d'être parfaite. Donc normalement, ça devrait être tip-top. Et on est en live sur Twitch, si jamais. Et on le sera demain aussi pour le Starship. Et je suis avec Max. On est bien évidemment au Kennedy Space Center sur le pad 41, hein, qui est pad historique de NASA, qui n'a jamais vu de vol habité, avec une fusée, l'Atlas 5, qui n'a non plus jamais vu de vol habité. Donc voilà, beaucoup de premières aujourd'hui pour le pad de tir, pour la fusée, pour la capsule. Tout le monde découvre le vol habité et c'est pour ça que la NASA et Boeing sont prêts à parer à tout petit problème. Et c'est pour ça que jusqu'à dans 2 minutes, on ne saura pas vraiment si ça va décoller. Exactement. Mais bon, on espère qu'on va y aller. Ok, tout a l'air toujours bon. Le range a été vérifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion dans la zone ou de véhicule en particulier. Il reste 40 secondes. Je vous laisse profiter. Centaur at flight press. 25. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Starliner. Godspeed. Allez, go. Sunny. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ignition. And liftoff of Starliner at Atlas V, carrying two American heroes, drawing a line to the stars for all of us. Décollage magnifique. Malheureusement, pas trop de micro pour le son, mais décollage magnifique. Regardez la vitesse à laquelle la fusée s'arrache du sol. Ça, c'est notamment dû au fait qu'il y a deux boosters à poudre qui la propulsent. Yes. Oh, vous avez vu la vitesse à laquelle elle s'arrache ? Oh là là ! On n'a pas de télémétrie, par contre. Pour l'instant, pas de télémétrie, ouais. Oh là là, la vue, là ! Ouais, ça, ils doivent prendre des jets, là. Butch et Sunny... Oh, la vitesse à laquelle ça part ! On a la télémétrie. On est en train de passer Max Q là. On est en train de passer Max Q. La première grosse étape après Max Q, donc le maximum de pression aérodynamique, ce sera la séparation des boosters solides qui sont en train de, là, d'arracher la fusée, hein, littéralement. Et vu caméra embarquée, on est déjà assez haut. Hein. On a pas, c'est vrai qu'on n'a pas de télémétrie. Altitude ou vitesse. D'altitude. Ouais. Mais regardez, en une minute et quelques, on est déjà très très haut. Ok, on a eu donc on a passé Max Q, on a entendu Good Throttle Up, donc la puissance des moteurs qui réaugmente après Max Q. Effectivement, bah, la prochaine étape, ça va être que les. Je pense qu'en plus le déroulé en bas est pas. Enfin, on va le voir étape par étape. Ouais, c'est effectivement la barre de progression ne progresse pas en même temps que la fusée. Hein. Ça va être étape par étape. Donc là, dans pas trop longtemps, certainement, on va voir les boosters s'éteindre et se séparer du corps central. Mais en 2 minutes, regardez, en 2 minutes, à quelle altitude on est déjà ? Ouais, on doit être à 25-30, je dirais, là, peut-être. Ouais, je pense, voire peut-être un peu plus. Hein. Capcom, Joshua Kudrick, indicating that the crew now has the ability to initiate an abort manually if needed. All looking good so far. Now 2 minutes into Starliner's flight. Voilà, on a les boosters sont séparés. On est sur le moteur principal toujours. La prochaine étape, ce sera la séparation du premier étage. Et tout a l'air de bien se dérouler, le chat.
Et le moteur principal qui est un RD-180 russe. Donc c'est... on est sur une fusée de la période de détente. Oui, exactement. C'est la bonne précision. Il y a un équipage à bord, effectivement, le spécialiste. Deux personnes à bord. Deux Américains, Sonita Williams et Butch Wilmore, deux très expérimentés de la NASA. Hein. Des pilotes d'essai, puisque le vol d'aujourd'hui est un vol de test pour un nouveau vaisseau. Ce sera le troisième vaisseau habité américain en fonctionnement, on va dire, si tout va bien. Je vois que vous paniquez sur les petits bouts qui se décollent, mais c'est effectivement, il y a les carburants et les ergols à l'intérieur sont très très froids. Et du coup, il peut y avoir de la condensation qui va se mettre, qui va geler sur le corps de la fusée, et c'est ça qui se détache. Hein. Vous n'êtes pas, c'est pas ça. En train de perdre des morceaux. Parce que le moteur, là, quand il est en marche, il procure énormément de vibrations à la structure du lanceur. Et cette structure, en vibrant, fait décoller des morceaux de glace que vous voyez partir comme ça. Mais ce n'est pas des morceaux de la fusée en elle-même qui s'arrachent. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des morceaux de glace qui tombent dû à la vibration du moteur. La vélocité est en kilomètres par seconde, 4,7, alors qu'on a la séparation du premier étage et on va avoir l'allumage de l'étage Centaure. Et donc là, on a passé la ligne de Kármán, hein, c'est bon, les deux astronautes sont dans l'espace. Ça se passe bien, on a... Alors c'est effectivement... Et puis là, on est sur une architecture qui a été prouvée un milliard de fois, les étages supérieurs Centaure. Ils volent depuis les années 60 et ils ont été conçus dans les années 50. Donc c'est typiquement, c'est le truc le plus legacy de tout le spatial américain. Et voilà, vous avez vu là le petit morceau qui est passé, c'est la protection pour le système de docking du Starliner qui vient d'être droppé, je crois. Voilà. Est-ce qu'on va avoir une image de l'intérieur de la capsule? Là, ils vont passer 2 semaines dans la Station Spatiale Internationale. Ouais. Et après, ils reviennent. C'est une mission de courte durée. Hein. Je vous rappelle, c'est encore une fois, ils ne sont pas là pour faire un remplacement d'équipage. Ils sont là pour tester le vaisseau. Voir comment le vaisseau se comporte en termes de communication, de vie à l'intérieur. Comment il va se docker à la Station Spatiale Internationale. Comment il va résister à plusieurs jours docké à la station. Et quelles sensations ils vont avoir lors de la réentrée, etc. Et vous voyez sur l'infographie, et c'est assez intéressant, vu que la station spatiale orbite à 51-52 degrés, bah, c'est l'inclinaison sur laquelle est la fusée, là, et bah, elle longe toute la côte est américaine. Elle est en train de remonter le long de la côte est. Et on voit derrière, bah, tu peux voir toute l'Amérique qui vient regarder avec des jumelles. Main engine cutoff is a major milestone marking Starliner's arrival on orbit. En orbite très basse, ceci. Voilà, l'apogée qui gagne en altitude. Et on a eu un arrêt nominal du moteur. Des deux moteurs de l'étage Centaure, des objectifs. Les RCS de Centaure qui font du contrôle d'attitude de temps à autre pour orienter le second étage et le vaisseau dans la position adéquate. Homer Times, du coup, l'objectif de demain, on reparlera plus en détail demain, mais c'est pareil, c'est un vol de test. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin que le vol 3. Et voilà, on avait dit près de 15 minutes. Séparation selon la télémétrie entre la capsule et l'étage supérieur, est-ce qu'on va avoir des images plus que de la télémétrie? LV-ZEP confirmed. En tout cas, il y a eu séparation entre le Starliner et le Centaure. Ça, c'est sûr. Et on a une vue là, incroyable. Parce qu'on voit, c'est vraiment tous les instruments de bord qu'on voit là. Ah, c'est bien ce que je me disais, il y a un autre burn derrière que Starliner va faire tout seul. Ouais. Oui, parce que là, il n'est pas à la bonne altitude. Mais... Là, c'est KSP, là, ils ont clairement ouvert KSP. Hein. Pour pouvoir rejoindre l'orbite de la Station Spatiale Internationale. Rendez-vous qui aura lieu demain, du coup. SMRCS is the mode.
Voilà. Je pense pas malheureusement qu'on aura des. Copy off. Enable 1 is on. Enable 2 is off. SMRCS, you're in a good config. Je pense pas qu'on aura des vues de l'intérieur au final. Je suis assez surpris, mais. Et voilà, la capsule va se retrouver au-dessus de l'Inde dans quelques minutes. Tout se déroule à la perfection pour l'instant pour ce vol du Starliner. Deux astronautes à bord en orbite en direction de la Station Spatiale Internationale. Ils auront rendez-vous demain pour une mission qui va durer à peu près deux semaines. Donc dans deux semaines, on verra le retour du Starliner. On le couvrira bien sûr en actualité sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce décollage. On attendait ce décollage du Starliner depuis des années. C'est enfin arrivé. Et pour rappel, demain, un autre vaisseau gigantesque doit décoller, le Starship, pour son quatrième vol. Bref, d'ici là, si vous voulez, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube. À la prochaine!